et bienvenue sur la chaîne des kiffs de Sandra. J'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui nous allons réaliser un délicieux dessert à base de chocolat. C'est un dessert super gourmand mais super santé, super sain, super healthy. C'est un dessert à base d'avocat. Et oui, il y a de l'avocat, mais je vous assure que c'est vraiment délicieux, je l'ai déjà réalisé. Nous avons besoin de 100 g de chocolat noir, de 20 centilitres de crème de coco et du sucre, 20 g de sucre complet ou du rapadura. Le sucre est facultatif car il y a déjà du sucre dans le chocolat noir. Donc chaque chocolat noir dessert à pâtisser, il y a toujours du sucre, donc c'est pas nécessaire. Moi j'aime bien le mettre, mais voilà, vous pouvez faire la recette encore plus légère et plus santé. Donc dans une casserole, vous mettez donc les 100 g de chocolat avec le lait de coco et vous faites fondre tout cela. Après, il suffit de laisser refroidir un quart d'heure, 20 minutes ce mélange. Vous le mettez donc dans le blender. Voilà, et là on va rajouter donc l'avocat, bien mûr. Hein. Ne reste plus qu'à rajouter les 20 g de sucre. Voilà, et à mettre en route. Le blender, vous voyez, c'est hyper simple. Hein, voilà, maintenant nous allons répartir dans 3 coupes ce mélange. Voilà, il ne reste plus qu'à réfrigérer ces 3 coupes pendant minimum 2 heures avant de les servir. Et voilà les petites verrines, après 2 heures de passage au frigidaire, elles sont prêtes à être dégustées. Il y a juste à rajouter par-dessus soit quelques petits copeaux de chocolat, soit quelques petites pistaches, voilà, pour la déco. Et après, il ne reste plus qu'à se faire plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine.